Bonjour, Monsieur Sol, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Enfin, je viens ouvrir ce vlog qui est le 27-28, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Enfin, soit. On est lundi 26 juillet. Voilà, je reviens dans le nouveau vlog de la semaine. Et j'ai terminé. Je vais faire comme ça. Encore un patient. Voilà, j'ai fini. Le tome A de Emma Gray aux éditions Addictif Poche, parce que c'est un poche. Voilà, j'ai terminé à l'instant. J'ai pas lu du week-end, du coup, il me restait 90 pages et j'ai pas lu du week-end. Du coup, je viens de terminer mes 90 pages. Il est 4h52 exactement. Et franchement, je suis mitigée par cette lecture. C'est une bonne lecture. Attendez, je vous rapproche. Voilà. C'est une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Je crois que je vais l'oublier. Pourtant, j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle que je lirai plus tard. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de continuer sur ça. Ça m'a fait presque un blackout. J'avais plus envie de lire, en fait. Et dans ce bouquin, je sais pas si vous savez, mais dans les Emma Gray. Et malgré, il y a des bonus à la fin. Vous avez deux chapitres de deux livres différents. Du coup, ça, je les ai pas lus. Voilà. Je vais vous parler un petit peu du pitch de ce livre. On suit la jeune femme qui est étudiante à l'université, qui a des soucis dans sa famille et tout ça. Elle va aller au cours et elle va rencontrer, je sais plus comment, son nom à lui, le professeur, voilà. Et ils vont avoir un crush tous les deux, voilà. Et cette histoire va commencer à partir de là. Il va voir plein de choses. Le seul souci, il manque, c'est un peu de punch dans ce bouquin. Punch. Monsieur est là, vous l'entendez, il est en congé. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas pris avant. Voilà, je suis un peu mitigée entre ce livre. Je lui ai mis un 3 sur 5 dans mon carnet. Sur les Vradic, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire après. Je vais mettre sa note. Voilà, ce sera certainement un 16 ou 17 sur 20 sur Livradict. Voilà. Voilà, pourtant hein, tout le monde l'a apprécié. Moi j'ai bien aimé, mais il manque juste un peu de. Peut-être que dans le tome 2 ça va aller mieux. On parle de famille, on parle d'accident. Je peux pas vous spoiler, heureusement il y a d'autres trucs qu'on peut aborder, mais si je vous spoil, vous allez le... c'est plus chouette de lire quoi. Voilà, il n'y a que quand il y a des petits trucs qui arrivent, mais c'est tellement rare. Voilà quoi. Mais c'est une bonne lecture. Fine, c'est fine, lui. Et elle, c'est Talma. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Mais elle a des frères et sœurs. Enfin, des frères. Une maman un peu alcoolique, on parle de ça aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? Le côté l'université. On parle un peu de l'université. Comment ils vont enfin, être ensemble dans la chambre. C'est pas toujours facile de travailler quand l'autre préfère s'amuser, on va dire. Voilà. Et lui, c'est un professeur MC Love qui l'ont appelé. Voilà. Voilà, il y a tout ça dans cette histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que franchement, pour les seuls points que je peux vous en parler, ça va spoiler le livre. Il n'y a pas tellement, il y a beaucoup de cucu entre les deux. Voilà. Voilà. On parle d'enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dedans. Et sur ce, il faut que je choisisse une nouvelle lecture. Et ça, c'est mon souci. Monsieur a choisi ma lecture. Je vais montrer quatre livres.
Et il a choisi. Du coup, je vais vous montrer les quatre livres que j'avais choisis. Du coup, j'avais choisi Trip Baby. Hop. J'avais choisi Meurtre et Pépites de chocolat. Celui-là, il me donne très envie aussi de lire. Voilà. Celui-là, je ne sais pas le prononcer en plus. It out. I doubt. I'll die. I doubt. I die. Doi. Doi. Out. 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 Voilà. Vous avez compris, c'est ma lecture qu'il a choisi. Et celui-ci que j'avais aussi mis dans ma balle. Voilà. Mais ce sera pour les prochaines fois. Voilà. Du coup, on va partir sur celui-ci. C'est de Lily Arnoul. Voilà. Chez Micha et Castro. Voilà, il est trop beau. C'est encore un gros bazar. Hop. Voilà. Gros pépite. Du coup, je vais. Enfin, je sais pas si je vais commencer là maintenant. Parce que j'ai envie de faire du Damon Print. Vous voyez, il est. Oh, juste là. Je voudrais bien l'achever. Il est presque terminé en plus. Voilà. En plus, celui-ci, il va être. Gros. Enfin, c'est à écrire assez gros. Du coup, ça peut peut-être aller peut-être plus vite. L'autre, il est écrit tout petit, ce que je viens de terminer. Ou limite. Voilà. Je ne sais plus quoi. C'est écrit plus petit. Voilà. Pas trop aéré. Du coup, c'est. Ça dure plus longtemps. J'ai mis à 15 jours pour le lire comme d'hab. Plus ou moins 15 jours pour moi. Voilà pourquoi je ne fais pas de challenge. Parce que ça marche jamais. Ici, il y a un beau challenge qui me plaît bien. Été glacé de Nina Queen. C'est lire 7 livres d'histoire d'hiver en 7 jours. Non, en 15 jours. Ouais. Voilà, en 15 jours. Et bah, pour moi, c'est foutu parce que je lis qu'un livre par. Tous les 15 jours, du coup, voilà. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. À part que on râle un petit peu par la météo, mais voilà. Parce qu'en fait, on devait pas être. Enfin, si, on devait être revenu aujourd'hui, quand même. Mais on pensait partir tout le week-end. Enfin, partir vendredi jusque lundi matin à la mer. Mais en regardant la météo. Ils annonçaient de la pluie et des orages. Et du coup, on s'est dit, pour aller à la mer, dans le chalet, où on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment Internet. On a Internet, mais pas vraiment. Voilà, s'il pleut, on n'en aura pas du tout, parce que, comme il y aura beaucoup de monde dans le camp, tout le monde va se connecter, et la connexion va être très dure à avoir. Voilà. Par la télé, mais s'il y a de l'orage, voilà, ça risque de couper de temps en temps. Moi, par lire, ça je peux faire, mais monsieur va s'ennuyer plus qu'autre chose. Du coup, on n'est pas parti, on est resté ici. Du coup, on râle parce que là, vous voyez pas, il fait plus ou moins bon, il fait gris, mais bon, il fait très chaud. Et voilà, on est un peu déçu de pas partir. Et ici, bah, c'est pas top top parce que mercredi, je vais au sport. Je peux reprendre le sport, je suis trop contente. Quand je vais au sport après-midi. Et c'est la semaine prochaine le vaccin, c'est cette semaine du coup. 26, bon ben, vendredi, jeudi on se fait piquer. Du coup on sait pas partir. On pourrait partir après. Non, on aura le temps. Quoi? On aura le temps. Mais on sait pas le voir déjà maintenant? Non, c'est pas possible. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain pour vous parler de ma lecture. Ou si je ne l'ai pas lu, je vous montrerai mon Damon Painting. Il faudrait que je vous le montre. Voilà. Je vous montrerai ça demain. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi à demain. Bonjour, petit Lucien. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, je reviens dans ce vlog. Il est aussi tard que hier. J'ai pas mon montre, je sais pas où je l'ai. Il est 17h25. On est le 20. Je vais vous lire tout de suite. 27. Voilà.
Du coup, je reviens dans ce vlog. Je vous parlais hier. Je vous ai pas trop parlé hier parce que c'est vrai que monsieur est là et du coup, j'aime pas parler quand monsieur est là. Mais là, il est parti à l'instant faire quelques courses. Du coup, je vais vite vous prendre. Voilà. Du coup, je voulais vous montrer. Hier, j'ai plus ou moins terminé mon diamond painting. Je vous dis pourquoi plus ou moins. Parce qu'en fait, j'ai une couleur qui me manque. Voilà. Et je vais aller avec chez ma belle-mère. Et on va regarder dans toutes ces couleurs qu'elle fait. Parce qu'elle en a fait une trentaine. Une vingtaine, une trentaine. Je ne sais pas vous dire exactement. Et il me manque un gris rosé. Du coup, voilà. Je vais vous le montrer quand même. Hein, et je l'ai terminé hier soir. On ne voit pas trop. Je n'ai pas fini là. Juste ici qui manque. On le voit un petit peu là. Voilà. Et petit trou là. Mais voilà, voilà comment il se présente. J'ai fait ça en 15 jours. Voilà, il est trop beau. J'ai l'impression là qu'il y a des problèmes. Mais on dirait qu'il ne s'est pas de son coupé en fait. Ouais, on dirait. Voilà, j'ai plus de batterie. Mon téléphone me dit recharge-moi. Du coup, on va faire ça. Je reviens tout de suite. De retour avec le GSM mis à charger. Voilà, j'ai... voilà. Et du coup, il est parti chercher pour celui-ci un cadre. Je vous montre les autres. Celui-là, je crois que vous allez voir mon double menton. Voilà. Celui que je crois que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là. Voilà. Il est parti un cadre pour celui-là aussi. En fait, celui-là, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, j'avais acheté un cadre pour le mettre dedans, mais je l'avais acheté trop grand. Vous voyez, il est plus petit que... Non, ouais, celui-là. C'est le même que la fée en fait. Il est plus petit en fait. Voilà. C'est un petit. Voilà. J'avais acheté un 4, 30 sur 50 ou 40. Ouais, 40 sur 50. Et du coup, je suis revenue avec. J'ai un poil dedans. Je suis revenue avec et j'ai mis le cadre près de la porte d'entrée. Voilà. Et monsieur l'a fait tomber et l'a cassé. Je venais de l'acheter juste à l'instant. Du coup, il a cherché ces deux cadres-là. Et pour celui-là en même temps. Parce que celui-là, j'aimerais bien le mettre dans ma chambre. Voilà. Je sais pas si je vous l'avais montré terminé, mais là, je vous le montre. Voilà. Hop, hop, hop. Et je commence le château. Le château de Disney. Mais je ne serai pas vous le montrer parce que là, il est occupé. Je vous ferai des clubs up après. Quand je vais le mettre sur la table plus tard. Et du coup, je voulais vous parler de ma lecture que j'ai commencé aujourd'hui. Je suis à page 42. J'ai commencé aujourd'hui. Enfin, hier soir, j'ai fini le Damon du loup que vous avez là. Et après, j'ai joué à Pokémon. Je ne sais plus le nom. Qui est gratuit sur la Switch. Et mon chéri avait dit de le télécharger parce que si vous le téléchargez avant une date, je ne sais plus quelle date, ne me demandez plus. Vous avez Zuruark, je crois que c'est comme ça son nom exactement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé, j'ai joué un petit peu hier. Et voilà. Et du coup, j'avais lu juste la page, la prologue. Voilà, cette page-là que j'avais lu hier. Mais j'ai mis comme si j'avais commencé aujourd'hui, du coup, je suis à la page 42, voilà, la page 42. Je vais continuer parce que pour le moment, j'aime bien. Maintenant, je ne sais pas l'histoire exactement comme je suis que à la page 42. Ici, ça parle beaucoup de décès. Le personnage qu'on suit, son papa est décédé, si j'ai bien... Enfin, un homme qui est décédé. Et ici, elle est en soirée et une personne qui parle qui l'a perdu... sa famille dans un accident de voiture et du coup elle comprend que c'est dur. Voilà, du coup c'est chez Micha. Voilà, et c'est de Lily Hartlout. Voilà, me demandez pas le nom, je suis incapable de le dire, comment je suis pas là. Voilà, et mon anglais c'est une bulle, je ne parle pas anglais du tout. Du coup voilà, ça vaut mieux pour vous que je ne parle pas du tout anglais. Déjà en français c'est déjà pas toujours au top top. Du coup, alors l'anglais, c'est encore... voilà. Et pour le moment, j'aime bien.
On suit plusieurs personnages. Caroline, attends, on suit ville de Charlotte en Caroline du Nord, appris jeune femme réservée, nette à une vie paisible auprès de sa mère et de son frère, un travail qu'elle aime tant qu'une petite librairie. Ah ouais, elle tient une petite librairie et c'est chouette, ça aussi, une petite librairie dedans. Une petite librairie et ses amis qu'on adore, tout simple et parfait, en apparence. Voilà, du coup, on demande ce qui va se passer. Et les amis, je sais pas, 18 ans, et une star déchue du football américain. Sa vie est aux antipodes de celle d'Adril. Drogue, sexe, alcool, tout est pour bon. Tenter à l'oublier, ses problèmes. Tout ce qui n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Et pourtant, ces deux âmes perdurent, ces deux passions cabossées, ces deux vies que tout oppose vont rentrer en collision. Les masques tombent et les points communs apparaissent. Deux secrets inavouables se connoient. Abril et Alain seront-ils capables de tout dire et tout avouer et tout se pardonner? Voilà. Je sais que elle a perdu son père et que elle n'a pas, elle n'a dit à personne la cause de la mort de son papa, si j'ai bien compris au début. Voilà, comme Choco à 42 pages, c'est compliqué encore. Voilà. Et se lit assez vite. J'ai lu 42 pages, je sais pas quelle heure il était quand j'ai lu. Puis j'ai fait mes cheveux, j'ai préparé mes cartons parce qu'aujourd'hui c'est les poubelles comme on est mardi. Voilà. Ce que j'ai fait d'autre. J'ai lavé ma poupouette. Voilà. J'ai fait un peu de Damon. J'ai commencé mon château. J'aimerais bien vous le montrer. Est-ce que j'attends. Je vous fais pause et je reviens pour vous le montrer. Ouais, je vais vous le montrer. Ça va faire un peu de bruit parce qu'il y a le plastique dessus, celui-ci. Du coup, il se présente comme ceci, le château. Vous voyez, j'ai fait ça tout à l'heure. On ne fait pas beaucoup. Voilà. Mais c'est ça qu'on fait. On voit pas vraiment la tête de Mickey. Là, je sais pas si. Je vais peut-être vous montrer plus près. Là, il y a la tête de Mickey en fait. Voilà. Hop, on voit les oreilles de Mickey. Puis vous avez le feu d'artifice et le château. Un peu dans les nuages. Et je trouve qu'il est trop beau aussi celui-là. Il ira bien dans mon futur maison. Que j'ai toujours pas, mais c'est pas grave. Dans mon bureau. Voilà. Ou dans ma chambre, ça dépendra. Ou pour mettre avec mes pop. Pour faire un petit montage pop. Voilà quoi. Du coup, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais continuer à bouquiner. Logiquement demain il y a un vidéo qui sort, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, il faut que j'aille sur le PC demain. Demain, je ne sais pas quand je vais vous prendre parce que demain de 2h. Ouais, c'est 2h. De 2h à 3h, je pense qu'on a dit 1h. Je vais au sport, faire du sport avec mon papa. Ouais, ça m'arrange pas, mais on va aller faire du sport. Ça va me faire du bien. Je vous prendrai peut-être avant. Si j'essaie d'avancer là maintenant, je suis au chapitre. C'est vrai que je vous ai pas dit parce que là je suis arrêtée en plein milieu du chapitre. Ouais, j'ai dû aller aux toilettes. Du coup, j'ai lu quelques pages en allant aux toilettes. Et après, je me mets au chapitre 3. Chapitre 3, page 42. Voilà. J'étais aux toilettes, j'avais pris mon bouquin. Et je lisais. Et puis je me dis, oh, il faut que je vous reprenne en vlog. Mais j'avais une pièce pas possible. Je les avais lavées hier. Comme vous avez vu les roches avant. Je les avais pas démêlées. J'avais rien fait. Et j'avais pas trop le courage aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu flânardé. Aujourd'hui, j'ai un peu chiné, monsieur. Parce que en fait, il me casse toujours les bonbons en me disant « Tu fais jamais rien. » Comme un homme peut faire, quoi. « T'es tout bien à la maison et tu ne fais jamais rien. »
Voilà quoi. Et du coup, aujourd'hui, je lui dis, ah, je fais jamais rien, bah, tu vas prendre mon boulot aujourd'hui. Du coup, il a fait la cage. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah oui, et je lui demande depuis hier de faire les courses. Il est 5h30, je dirais à 30 parce qu'il est parti à un moment, 10 minutes déjà, que je vous ai avec. Depuis le matin, et je lui ai dit d'aller faire les courses. Mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Enfin, il a quand même fait les... il est parti faire les courses, c'est déjà ça. On n'a toujours pas mangé. Enfin, j'ai fait. Moi, je me suis fait 3 œufs à midi. Lui, il a mangé les croquettes de fromage. Voilà, notre repas à temps. Parce que j'avais plus de patates. Voilà pourquoi. J'avais plus de pain non plus. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour vous dans 3 minutes. Enfin, même pas 2 secondes. Voilà. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va avec mal partout. J'ai mal mes épaules. Oh, je vous raconte, j'étais faire du sport en fait. Depuis un moment, j'avais plus fait plus d'un mois et un an et 4 mois. J'avais plus fait de sport. Voilà, du coup, la reprise est très dure. J'ai mal toutes mes épaules, ma nuque, les épaules. Mon genou, n'en parlons pas parce que j'ai essayé de travailler un peu mes jambes, mais j'ai dû laisser tomber un petit peu. Je ferai petit à petit, voilà. Mais ça m'a fait du bien. Je suis KO là. J'ai envie de. Il est 8h15. Ah oui, je vous ai pas dit en plus. On est le 28 juillet et je reviens dans ce vlog pour vous parler. Voilà. par mon sport, j'ai pas fait grand chose. En fait, si j'étais au lac. C'est pas un lac, c'est un étang. Pour voir la pêche, pour monsieur aller pêcher. On est passé chez Topio Game. Enfin, logiquement, je ne sais pas, mais je vais pas dire pourquoi. Parce que s'il regarde la vidéo, il va savoir pourquoi. Voilà. Du coup, je ne dirai rien à mon cœur. Et il y a mon bébé qui est. Bien sûr, il va bouger de place. Viens, mon bébé. Viens, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous parle de mon lit tout de suite. Il est là, mon bébé. À sa maman. Viens dire bonjour. Viens, bonjour. Bonjour, tout le monde. Je vais faire câlin à ma maman. En fait, il vient faire ses poupounes sur ma couverture. Voilà. J'ai beaucoup lu aujourd'hui. Ma lecture en cours. Je suis au chapitre 7. Je suis à la page 86. J'aime bien, c'est addictif. J'étais arrivée à la page de 62 hier. Pour un chapitre 62, j'ai lu une vingtaine de pages aujourd'hui. Chaque fois que j'avais un moment, j'étais en train de lire. Parce que j'ai fait un peu beaucoup du diamond painting aujourd'hui. J'en ai fait un petit peu avant de partir au sport. J'en ai fait en revenant parce que j'avais trop mal partout. Du coup, je me dis, je vais faire ça. Ça me détend un petit peu. Voilà. Et là, je vais bouquiner un petit peu. Je voudrais bien arriver à la page 100. Même plus si je peux. Voilà. Si je fais 110, ce serait bien aussi. Voilà, 110. Enfin, ça dépend le chapitre où il est à 110. Voilà. Ouais, si je peux arriver ici au chapitre 9. Ça fait 2 chapitres. Non, 3, 8, 7, 8, 9. Ouais, 3 chapitres. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, on suit cette jeune femme qui est attirée par un. Enfin. C'est compliqué. En fait, elle a cet homme. Elle le hait. Elle le hait profondément. Mais dès qu'elle le voit, dès que son corps est à quelques centimètres, que sa bouche aussi, elle est attirée vers lui. Elle a tout qui s'enflamme dans son corps. Et elle ne comprend pas pourquoi. Voilà. Et ici, il va l'inviter à une. C'est elle qui l'invite à une soirée. Voilà. J'aime bien. C'est additif.
Ça se lit assez vite comme c'est écrit assez grand. Hop, et bien espacé, comme vous pouvez voir. Vous voyez, il y a beaucoup de espace entre les lignes. Du coup, voilà, j'espère qu'il va me faire une semaine. J'aimerais bien avancer. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Pour le moment, j'ai pas trouvé de longueur, j'ai pas trouvé de défaut. Maintenant, je suis qu'au début, je suis pas encore à la page 100, du coup, voilà. J'aime bien tout ce que je peux vous dire. Pour le moment, je vous conseille de le lire. Voilà. Et cette couverture, elle est pas magnifique quand même. Ces deux-là se sentent. Pourtant, ils se haient, mais est-ce qu'ils vont finir ensemble? Oh. C'est sûr, hein, les histoires finissent toujours bien, on va dire. Voilà. Voilà. À part ça, tout va bien. On fait pas grand-chose. Le ménage, voilà. On mange, on fait le train-train de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai programmé les vidéos pour vendredi et lundi. Voilà. Demain, il faut programmer les deux autres. Voilà. J'aimerais bien faire tourner une vidéo de PAL, enfin non pas de PAL, le bilan des PAL, plutôt ça, le bilan du 2021, 21 livres, je suis loin, je suis peut-être à mes 21 livres, mais pas ceux que j'avais choisis, voilà, je ne sais même pas combien de livres que j'ai déjà lus, vous parlez de tout ça en vidéo, parler combien de livres que j'ai lus, quels livres que j'ai lus. Ouais, pour voir un petit peu un bilan de l'année en cours. Et on fera une en fin décembre, début janvier, je pense que ce sera plus début janvier qu'on fera le constat de tous les bouquins. Sauf que je ferai en montage vidéo, parce que je pense pas sortir tous les livres. Je vais juste rechercher les couvertures et je vous les insérerai dans la vidéo. Pour moi, ce sera plus facile. Même si je vais plus m'en souvenir de tout, mais j'ai quand même pas mal écrit de choses. Du coup, voilà. Enfin, j'espère d'avoir écrit. Voilà, comme ça, on peut faire un global de tout ce que j'ai lu, tout ce que je n'ai pas lu, ce que je dois absolument continuer dans les séries. Déjà, il y a ce que j'ai lu la semaine passée, enfin, que j'ai terminé au début de ce vlog. Corps à machin, il y en a trois saisons. Il y a une saison de l'année passée que j'ai pas continué. Je ne sais pas le nom. Je ne sais plus le nom. Il faudrait bien que je le continue aussi. Il y a des séries qui me fait très envie de commencer. Mais voilà, je commence à lire les autres livres pour le moment. En fait, j'essaie de vider les livres. Enfin, pas celui-là parce que c'est pas vieux vieux, mais essayer de lire les plus vieux livres que j'ai déjà. Voilà. Continuer les livres que j'ai en cours aussi, parce que j'ai deux livres en cours qu'il faut que je continue. Voilà. Bah, essayer de vider le plus gros de ma palle, parce que c'est énorme. Je n'en peux plus. Voilà. Mais pour le moment, je n'achète plus rien. J'aurai juste la Weebox, le petit colis de livres par mois. Voilà. Il faut que je tienne le coup jusqu'à fin décembre. Un no-buy jusqu'au décembre. Voilà. Pas plus, voilà. Arrête, arrête. Voilà. Et sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Je suis claquée d'avoir fait le sport. Ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis mis à fond, même si j'avais un petit peu trop exagéré. Je pense j'aurais pas dû me mettre à fond comme ceci. J'ai une toupette là. Hop, regardez ça. Voilà, vous voyez un peu ce que j'attache toutes mes places à mon beau au lit. voilà, je vais essayer de retourner. J'aimerais bien tourner du week-end. Je vais voir ce qu'on fait du week-end. Logiquement, j'avais nos amis qui viennent, mais s'ils viennent pas, peut-être dimanche matin, aller faire 1 heure de sport au matin vers 10-11 heures. Ouais, je vais peut-être faire 10, de 10 heures à 11 heures. Voilà. Du coup, voilà ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui. Bah, je vous ai dit le lac. Il faut aller suivre mon Insta.
C'est là où je publie le j'ai publié le lac sur Story. Je vais peut-être essayer de le mettre. Non. En plus, c'est le nom, c'est le trou. Je ne sais plus trop du. Je ne sais plus quoi le nom où on a été trouvé. Voilà. Le lac est très sympa. Sauf que là, il a débordé. Il a pas mal sur le bord. Du coup, on doit aller. Le monsieur... On a rencontré le monsieur qui tient le lac. Ça tombait bien. Il nous a tout expliqué. Mais là, il a acheté une pompe. Sauf qu'il manque un câble. Du coup, il va chercher ce câble. Et demain ou vendredi, il va pomper une. Il a dit 30 cm plus ou moins pour redescendre le niveau. Voilà, parce qu'en fait, c'est tout sur les berges. Il y a que 2-3 endroits où on peut pêcher. Mais pour le moment, il demande d'éviter. Voilà, du coup, il va pomper 30 cm d'eau. Voilà, et après, on pourra aller pêcher. Du coup, ça sera début de semaine, je pense, pour monsieur. À part si on partirait à la mer. On a envie de partir à la mer quelques jours. Voilà, mais le souci, c'est nos petits loulous. Voilà. La mienne, c'est pas grave, aussi la mettre chez ma mamie. Mais le monstre là, c'est pas possible de mettre chez ma mamie. Comme il est jeune, il est dynamique. Et déjà, moi, il est pas loin de me faire tomber dans les escaliers, alors faut pas demander elle. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose à cause d'un chat. Voilà. Et voilà. Du coup, je vous ai mis la vidéo de vendredi. Celle-ci que vous aurez samedi que je vais monter. Je sais pas quand je le referme. Peut-être pas demain. Je crois pas qu'il va être long ce vlog. Il va être petit, je pense. Voilà. Et voilà. Je vais avancer ma lecture. J'avance dans mon diamond painting que je vous ai montré hier. Sur mon château. J'aime bien le pente. Je sais pas où je le mettrai encore. Voilà. Mais voilà. Et il faut vraiment que je fasse des économies pour déménager. Et le problème, c'est que les animaux sont pas toujours acceptés dans les logements. Du coup, voilà. Le deuxième problème. Enfin, le premier problème, parce que j'avais trouvé un appart. Pas un appart maison. Qui est plus grand, mais ils acceptent pas les animaux, juste les animaux en cage. Je fais quoi de mes chats, moi? Je les mets en pension chez quelqu'un, je les tue, je fais quoi? Franchement, allez, comment on peut refuser pas les animaux, quoi? Non, je sais qu'il y en a qui font des bêtises, mais voilà. Moi, ils n'en font pas des bêtises. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vous prendrai demain plus actif. Enfin, je ne sais pas. Il faudra que je vous prenne avant 2 h demain. Il faudra, j'y pense, de vous prendre avant 2 h. C'est demain, c'est une journée qui va être longue. Ou je vous en prendrai peut-être entre les deux. Parce que demain, je dis on parce que moi, enfin, mon chéri et moi se font vacciner pour la deuxième dose. Du virus, enfin, pour le virus, voilà. Du coup, on espère que tout se passera bien, que j'aurai plus les nausées que j'ai eues l'autre fois. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de patraque après la deuxième dose. Je suis déjà patraque, alors faut pas demander. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous tiens au courant pour demain, pour la deuxième dose du vaccin. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour vous à tout de suite, pour moi à demain. Bonjour mes petites sœurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je suis en voiture, vous n'avez peut-être pas la bonne lumière, mais voilà, j'aime pas. Des gens qui passent.
J'attends mon chéri, il est parti se faire vacciner. Moi, je suis, c'est fait, j'ai pas de problème, tout va bien. Et du coup, en attendant, je lis mon bouquin. Je reprendrai plus tard pour vous dire où j'en suis. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et regardez, on est bien dans la voiture. Il fait bon, le principal. Du coup, on va bouquiner un petit peu tant qu'il arrive. Bonjour mes tuteurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je vous reprends, je vous ai pris tantôt quand j'attendais monsieur dans la voiture, mais je ne vous ai pas dit, aujourd'hui on est jeudi 29 juillet, on a fait notre deuxième dose de vaccin, tout s'est bien passé, pas de problème jusque l'instant. Juste un tout petit peu mal à l'endroit où on a piqué, mais ça... Ça va passer, voilà, bien. Du coup, je voulais vous parler de mon livre. Je suis à la page 100, au chapitre 8. J'avance tout doucement, mais sûrement, comme on dit toujours. Mais j'aime bien. Et là, je me suis mise sur le lit pour commencer à bouquiner. Voilà, même si j'ai un petit peu mal à la tête. Mais je vais essayer de bouquiner un petit peu. Je voulais à la page... 150, mais je pense pas arriver aujourd'hui. Du coup, ça me fait du retard. J'aimerais bien la page 200 demain pour avancer, essayer de le finir pour jeudi. Parce que logiquement, enfin, avant jeudi, j'aurais bien voulu le terminer. Parce que normalement, le week-end prochain, je ne suis pas là et je pense pas à lire le week-end prochain. Voilà, vous aurez peut-être un mini vlog sur le petit 2 jours de vacances à la mer. Voilà. Cette fois-ci, on va en mitigé amoureux. On va retrouver les amis qui ont un magasin à la mer pour l'instant. Ils ont eu depuis un moment. Voilà. Et on va peut-être les retrouver. Ça va nous faire du bien. Et voilà quoi. Et je ne sais pas encore comment ça va se passer. Voilà. Je ne sais pas. Il faudra que du coup le vlog que je vais reprendre justement à partir de samedi ou dimanche. Dimanche, c'est sûr que je vous reprendrai parce que j'ai envie de vous montrer. Nos amis vont venir. Enfin, c'est l'anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de Joe que vous avez vu dans le vlog Paris. Pas vlog de la mer. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller le retrouver sur la chaîne. C'est son anniversaire, du coup ils viennent dimanche. Parce que lui c'est demain, son anniversaire, vendredi 30. Mais voilà, il fait avec sa famille et ses amis, c'est logique. Ses amis c'est après, c'est logique. Et du coup ils viennent dimanche près de nous pour son anniversaire. Et je ne peux pas dévoiler son cadeau ici parce que je ne sais pas. Si il regarde ce vlog, du coup, je ne prends pas le risque de lui en parler. Même si logiquement, samedi, ça m'étonnerait qu'il le regarde. Mais vous le verrez dans le prochain vlog. Voilà. Si vous avez une idée, ils aiment bien les mêmes choses que nous. C'est un nouveau truc. Je ne peux pas vous en dire plus parce que s'il est là, il va comprendre et je ne veux pas. Mais vous avez une idée? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de cadeaux que je pourrais lui faire. Voilà. Bon, il ne lit pas. Tout ce que je peux vous dire, il ne lit pas. Voilà. Voilà. C'est madame et moi qui lisons. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, on va lui offrir des bières. C'est mieux. Il aime bien les bières. Comme ça, s'il regarde, il sera spoilé. Les bières. Pour toi. Pour ton anniversaire. Je crois que c'est pas ça. C'est une blague. Du coup, en fait, je revenais pour vous parler de ce livre. Je suis à la page 100, au chapitre 8, comme je vous ai dit. C'est additif, dès que je suis dedans, j'ai pas envie de le lâcher. Sauf que pour le moment, je lis par petits bouts. Je lis. Mais tantôt, je me suis fait piquer. J'ai lu quoi? 6-7 pages pendant un quart d'heure. Enfin, j'ai pas lu vraiment un quart d'heure parce que à chaque fois qu'on parlait, j'étais un peu à l'écoute. Voilà. Et j'ai lu un peu aussi cette page. Voilà, plus ou moins. Et en entendant monsieur, j'ai lu aussi un petit peu. En fait, j'étais arrivée à la page 90.
Ouais, du coup, j'ai lu une dizaine de pages aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'aimerais bien continuer à lire un peu avant que j'aie trop le seum. Elle est me boucher parce que là, c'est pas encore fait. Mais je pense que je vais bouquiner un tout petit peu, une petite demi-heure. Parce que là, il est, si maman veut bien, 8h. Ouais, jusqu'à 9h. Puis prendre une petite douche. Et peut-être essayer de rebouquiner juste après. Parce que demain, je me lève tôt. Je vais me lever pour 6h. Et voilà. Du coup, voilà. Voilà mon amoureux. Il est fatigué aussi. T'es fatigué, mon amoureux? Fatigué? Vous le voyez pas, vous? Ils veulent te voir, les abonnés. Ils veulent te voir. Ils veulent te voir. Il est pas beau, ce mignon petit chat. Moi, t'es beau. T'es beau, mon amour. Oh, il se couche. Et il s'appelle Woody. C'est mon t-shirt. Porte bonheur à Woody. C'est son t-shirt. À mon amour. Voilà. Et sur ce, j'aime bien l'histoire de mon bouquin. Parce que c'est vrai que du coup, je vous en parle pas. C'est. Comment dire? C'est deux personnes qui se détestent. Mais à un moment, ils vont arriver à quelque chose. Je pense que voilà, monsieur. Monsieur va pêcher demain. Voilà, le v'là, je vous l'avais dit. Voilà, du coup, il va pêcher demain, donc moi je vais travailler. Lui, il va s'amuser. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser et je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai avancé. Voilà. Et avec mon cher petit homme ici, on va se reposer. Ah oui, mon chat. Oui, on va se reposer. 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 Sur ce, je vous laisse et on vous dit à demain. Et je viendrai fermer ce vlog demain. Bonjour mes télés, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog, il est. Il est. On est le 30 juillet. Voilà, je reviens dans ce vlog pour vous parler. Ce vlog va pas être vraiment très intéressant, je trouve. J'ai même un doute de le poster. Voilà. J'ai pas vraiment avancé dans ma lecture. Je vous montre, j'utilise ma petite pochette à boules de neige de chez Kimi Collection. Hop là, on reconnaît. Du coup, voilà. Bon, ça, c'est mon agenda. Mon petit agenda. Voilà. Mon bouquin. Je n'avais pas avancé. Je suis à la page 116. J'ai lu 16 pages hier soir. J'ai pas avancé des masses. Ce que je peux dire, que c'est toujours addictif. Quand je suis plongée dedans, j'ai envie de le lire. Sauf que pour le moment, je ne sais pas ce que j'ai un coup de mou. Je pense que la semaine prochaine, logiquement, je devais vlogger jusque mercredi. Vous reprendre. Je ne sais pas si je vais vlogger la semaine prochaine. Je reprendrai peut-être plus. Ici, je vais peut-être vous prendre dimanche. Comme j'ai mes amis qui viennent, je filmerai peut-être un petit peu avec eux pour montrer ses cadeaux. Et mais ce sera pour le week-end d'après, je pense. Parce que après, je pars du jeudi au dimanche, je pars à la mer. Et j'ai pas envie de me casser le pépette, de monter le vlog du de 3, 4, 3, 3, 4 jours. Ça va être très court. Surtout, je n'avance pas dans ma lecture. Du coup, je me dis que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. C'est pour ça que je vais publier quand même celui-ci, comme ça, pour ceux qui regardent les vidéos. Le samedi, je ne sais pas combien. On est ici, on sera le samedi 31. Ah ouais, d'accord. Le samedi 7, il n'y aura pas de vlog
à part si je change d'avis. Mais non, logiquement, il n'y aura pas de vlog. J'ai pas le courage. J'ai envie de prendre une petite semaine de repos. Voilà, parce que là, je suis tellement fatiguée. Je sais pas si vous voyez, mais je suis fatiguée. Je suis levée très tôt. Ma piqûre de hier de vaccin s'est bien passée, mais je suis un peu KO. Du coup, je pense que ça joue un petit peu. Et je n'avance pas dans mes lectures pour le moment, je ne sais pas, je suis fatiguée, je suis épuisée je pense. Du coup je vais ralentir un petit peu mes vidéos. Il y aura toujours pour la semaine parce que ça je vais les programmer cette semaine pour la semaine prochaine. Comme je pars, je reviens dimanche, je ne saurais pas mettre pour lundi, mercredi, enfin au moins lundi, mardi. Mercredi, lundi et mercredi, je vais essayer de vous mettre. Et vendredi, j'essaierai de vous mettre. je vais le préparer vendredi. Ouais. Mercredi ou jeudi. Il faudra que je fasse ça. Voilà. À part ça, ouais, comme je vous dis, j'ai bu. Ouh, je vais aller dormir. C'est pas. Excusez-moi. C'est pas hier. Pourtant, j'ai envie d'avancer, j'aime bien. Mais à chaque fois que je me mets, j'ai. Pouf. Du coup, voilà, je ne me mets pas pour vraiment. Mais si, après, je vais faire le montage de ce vlog. Et je vais aller me reposer une petite heure avant que monsieur rentre. Parce que là, il est à la pêche. Et après, ben, j'essaierai de lire. Et puis, j'ai l'impression de faire de la fièvre. J'ai chaud, j'ai froid. Voilà, c'est un temps, pour le moment, c'est un temps bizarre. Il fait bon, il pleut, il fait bon, il pleut. Du coup, voilà. Du coup, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais faire ce montage du vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il n'est pas très intéressant, je trouve. Voilà. Et je vous dis, j'ai pas le Covid. Hein. C'est juste que, voilà, je pense que je fais une petite... la veille du vaccin, un petit peu, pas trop bien, pas très trac. Voilà, je vais reprendre mon médoc pour la toux et ça va passer. Parce que je suis obligée de prendre un médoc pour la toux. Oui, le sirop ne me fait plus rien. Voilà quoi. En plus, c'est un truc que la pharmacie doit préparer. Voilà, du coup, je vais aller me le prendre après. Parce qu'il n'y a rien qui sort en plus, c'est tout. Il n'y a rien quoi. C'est comme si je vous avalais des poils et que vous toussez en fait. C'est tout. Voilà. Et du coup, ça me donne des mal de tête. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Et du coup, je vais aller me reposer. Je vais refaire ce petit montage. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. N'hésitez pas à partager et enfin de mettre des pouces bleus pour monter dans la chaîne pour qu'on me voie plus vite. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que votre week-end se passera bien en ce samedi que vous regarderez cette vidéo. Et voilà, moi, j'espère aussi, demain, ce sera repos, je pense. Je pense aller au sport demain, mais je pense que je vais aller me reposer. Enfin, je verrai bien demain après-midi s'il y a de la place au sport ou pas. Et si je vais mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.